On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Nos noms l'ont écrit, car dans la nuit tout s'efface. Savez-vous que les enfants ont des droits? Oui, je le sais. D'après vous, qu'est-ce que la liberté d'expression? Je trouve que la liberté d'expression, c'est en fait la liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner notre avis, sans qu'il y ait des limites, et voilà, exprimer notre opinion. Selon vous, est-ce que la liberté d'expression des enfants existe? Oui, elle existe parce que les enfants ont aussi des droits, comme nous, comme les adultes, comme les jeunes, et qui peuvent donner leur avis sur un sujet ou sur un sujet. Merci. D'après vous, qu'est-ce que la liberté d'expression? La liberté d'expression par rapport à moi, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer sans aucune limite. Être libre d'exprimer son avis sans aucune... D'après vous, qu'est-ce que la liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est avoir la liberté de dire tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on pense. Selon vous, est-ce que la liberté d'expression existe pour les enfants? Je pense que ça n'existe pas toujours parce que les enfants sont toujours jugés et ne sont presque jamais pris au sérieux. Merci. Alors ça, c'est un sondage pour le droit de l'enfant. Et tu dois répondre à cette question. Ici, il faut cocher et là, il faut si tu me réponds oui. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Oui. C'est à quoi consiste le droit d'expression selon vous? Ça veut dire, pour toi, c'est quoi le droit d'expression?